50e anniversaire de la libération annonciateur de la victoire. Dès 1945, le 8 mai ponctue chaque année sur le calendrier de la nation la commémoration de la victoire au niveau de l'Europe des Alliés sur le nazisme. Avant d'en arriver à ce dénouement tant attendu, les pays engagés dans la lutte contre les armées allemandes ont dû supporter bien des malheurs et batailler ferme pour y mettre un terme. C'est une période, un des volets essentiels d'une reconquête qui conduirait à la victoire finale que la France a décidé de marquer plus particulièrement cette année, celle de la libération il y a 70 ans. C'est pourquoi il convient d'en rappeler quelques épisodes marquants entre nous. Le 18 juin 1940, au lendemain de la défaite qu'il venait de subir, un homme seul, sans armes ni armure, le général de Gaulle, appelait depuis Londres à la nation les raisons qui l'auraient conduit là où elle était. Il lui donnait surtout les motifs d'une espérance raisonnée dans l'avenir. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. 4 ans plus tard, la France revenait à la vie. Pour y parvenir, l'épreuve endurée fut longue et terrible. Malgré les reniements, les trahisons, les compromissions, la collaboration de certains, le message du général trouve un écho favorable chez d'autres et ouvrir avec les plus grands risques pour entretenir la flamme. Résistant de l'intérieur, force armée française en grande partie reconstituée avec des éléments de notre empire, alors forces alliées conjuguèrent leurs efforts pour la libération de notre sol. Le 6 juin 1944, un débarquement naval et aéroporté avait lieu sur les plages normandes. Le 15 août, c'est en province à Saint-Maxime et Saint-Raphaël que débarquaient les forces franco-américaines. Du 19 au 25 août, Paris s'insurgeait et était libéré. Le 26 août, l'homme du 18 juin était à l'Arc de Triomphe et à Notre-Dame. Ayons une pensée recueillie pour toutes les victimes de ce chapitre de notre histoire. La victoire était en route, mais l'Europe devrait encore fournir de terribles efforts et attendre plusieurs mois afin que le nazisme soit enfin écrasé. En ce temps actuel, plus au ciel que tous, collectivement et individuellement, ayons bien en mémoire toutes les choses encore bien proches de nous, non seulement pour nous en souvenir, mais surtout pour en retenir les enseignements qui devraient nous aider à préserver une paix qui paraît bien fragile. Que vive la France et la République. Personnel de la mairie, les anciens, la sécurité, la gendarmerie. Je vous présente un petit peu le 8 mai. Le 8 mai est symbolique pour nous. Le 8 mai, c'était la fin des combats, la fin des combats dans l'Europe, la fin de combats de l'Europe de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que ce n'était pas forcément la fin de la guerre. Pourquoi? Parce que les combats continuent dans le Pacifique. Donc, le 8 mai, c'est le 128e jour de l'année. Mais c'est surtout le jour de la commémoration de la capitulation de l'Allemagne.
c'est-à-dire en 1945. La capitulation de l'armée allemande le 8 mai se termine. La Seconde Guerre mondiale, exactement à 23h01, c'est-à-dire le lendemain de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que ça a été signé le 7 mai à 23h41 à Reims. C'est pour ça que Reims est nommée ville de sacre. D'accord? Ce qui signifie la fin du nazisme. C'était l'un des moments les plus sanglants de la répression coloniale. On a une pensée très forte pour nos amis canadiens qui ont soutenu la France. Pourquoi? Dans le soutien logistique. Non, pas seulement les armes, mais surtout la nourriture qui était très importante. Ils ont perdu 14 navires de guerre. Ils ont célébré ça il y a quelques jours, il y a 3 jours. Nous avons cette forte douleur par rapport à nos anciens qui sont morts. Ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour nous. Également, ceux qui sont retournés chez eux, blessés, ceux qui ont combattu dans l'ombre. Il y en avait, ce n'est pas forcément sur le front, mais ils faisaient un travail formidable. Je remercie également nos deux anciens qu'on a présents ici, M. Vermont, M. Joséphine. Avancez un peu pour qu'on puisse voir M. Vermont, qui en fait également la Seconde Guerre mondiale. Ils ont participé, ces deux. Nous, on a fait d'autres opérations, mais eux, c'est la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez retourner à votre place. On remercie également le général de Gaulle qui a pris cette décision. On remercie l'Angleterre, que la France était la base arrière pour l'Angleterre. Et heureusement que l'Angleterre a soutenu la France pour ce ralliement, pour pouvoir réattaquer. Parce que lorsque les Allemands avaient tout investi, Paris et autres, pendant un certain nombre de jours, que le maréchal Pétain n'avait plus d'idées, c'est le général de Gaulle qui a décidé de faire quelque chose. Lorsqu'il a fait l'appel des alliés, il était basé en Angleterre et après en Algérie. Donc c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être aujourd'hui non seulement français aussi, puisqu'on pouvait être allemand actuellement, mais merci au général de Gaulle. Merci à tous les alliés, c'est la victoire des alliés. Donc ça symbolise aujourd'hui le 69e anniversaire. Aujourd'hui, donc c'est la fête de la victoire. Je vous remercie. Transmettre toutes ses excuses.
Elle a tenu à ce que cette cérémonie du souvenir soit le point de départ d'une nouvelle dynamique dans la commémoration des grandes dates de notre histoire. La commission Fêtes et cérémonies, présidée par Mme Kafoumé, s'est donc employée à établir le contact pour parvenir à ce moment de partage autour d'une date qui doit rester marquée à tout jamais dans les esprits. En effet, le 8 mai 1945 prenait officiellement fin la Seconde Guerre mondiale avec la réédition de l'Allemagne. De 1939 à 1945, l'Europe en premier lieu, l'Afrique ensuite, et de façon plus éloignée, l'Asie fut le théâtre d'âpres batailles. Selon les historiens, ce serait entre 60 et 80 millions de morts qui seront dénombrés. Cette guerre, c'est aussi la guerre de l'horreur, avec les génocides, le génocide entrepris par les nazis contre les juifs. Ce sont environ 6 millions de juifs qui périront dans les camps de concentration. La guerre, c'est avant tout des hommes et des femmes qui se battent pour défendre leur patrie, pour protéger les grands idéaux contre les barbares. Les Antilles, et à ce titre Marie-Galante, ont largement participé à l'effort de guerre sur tous les fronts, et plus spécialement par la dissidence. Nos compatriotes ont donné le meilleur d'eux-mêmes en ce temps difficile. C'est donc à juste titre que nous honorons la mémoire de ceux qui sont tombés au combat. Ils ont donné leur vie pour notre liberté, pour un monde meilleur. C'est l'occasion de penser à toutes les familles qui ont connu ce que nous appelons familièrement en temps souverain. Période de privation et de répression qui reste encore gravée dans les mémoires. Il est dommage que ces commémorations soient aujourd'hui délaissées par la population. Naguère, elle permettait à celle-ci de communier autour des valeurs citoyennes. La municipalité de Grandbourg a décidé de rehausser l'éclat de toutes les cérémonies. Elle compte sur l'aide des anciens combattants, mais aussi sur celle des parents de victimes. Elle lance un appel pour que les associations et toutes les forces vives se rejoignent pour œuvrer ensemble. La proximité des élections ne nous a pas permis d'associer les écoles à cette commémoration, mais nous espérons pouvoir le faire avec l'aide de la communauté scolaire à l'avenir, et notamment pour commencer à l'occasion de l'armistice du 11 novembre. C'est d'autant plus important que le gouvernement a décidé de donner au 11 novembre une ampleur particulière afin de lancer les manifestations marquant le centenaire de la Première Guerre mondiale. Encore une fois, merci pour la leçon de vie et de courage que vous nous avez donnée. Je reste convaincue que nous serons en mesure d'offrir à la population des références et des valeurs qui lui permettront de renforcer le lien social et de construire une citoyenneté active. Merci de votre aimable attention. Et maintenant, nous passons la parole à M. Paul Omer, président des anciens combattants.
les victimes de guerre de mariage. Merci. Encore bonjour. Donc, je suis très content d'être ici aujourd'hui avec tous les amis et les camarades. Je remercie d'autant plus la municipalité de Gombourg pour ce rehaussement de cette commémoration, pour nous en symboliser aussi, puisque contrairement à l'habitude, on ne voyait pas vraiment la mairie. L'année dernière, c'est vrai que je pouvais attacher deux tours au niveau du monument, ils auront assez de manger pendant deux jours. Mais là, le travail a été fait. On demande à la commune toujours d'être aussi, et comme la commune nous le demande, en collaboration, pour pouvoir travailler ensemble. Je remercie également la gendarmerie, toujours présent dans chaque activité. Malheureusement, nos collègues douaniers et pompiers ne sont pas, ne peuvent pas venir aujourd'hui, mais on a pris nos excuses. On remercie également la police. On remercie les invités de manière pour que ce jour symbolise également pour nous. C'est un bon jour et je pense que ça va rester un mois. Je me rappelle, il y a quelques temps de ça, disons que ma fille était en CM2, lorsqu'on l'a demandé d'aller voir au niveau du monument, il n'y avait pas un seul petit drapeau. C'était le jour du 8 mai, c'était le jour du 14 juillet, c'était le jour du 11 novembre, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'ampleur. On voit qu'il y a quelque chose qui a été travaillé, il y a du travail. Je pense qu'il y a de l'avenir, puisque avec toutes ces personnes ici présentes de la municipalité, je pense que si on continue comme ça, on ira très loin. Donc je demande encore aux anciens de tout en collaboration avec la commune pour pouvoir travailler ensemble. Par contre, au niveau des anciens combattants, on a toujours demandé, ça fait bien que militaire, on est des militaires, on vit dans n'importe quoi, entre guillemets, mais on aimerait quand même avoir au moins quelque chose pour se loger qui commence par un B, même si c'est un petit B majuscule, un petit bureau. Parce que pour l'instant, on est logé au niveau de l'hôpital, il y a les morceaux de béton qui tombent chaque jour. Bien, on est plus en guerre, mais ça tombe quand même, on doit s'épargner. On ne peut pas encore mettre le casque lourd. D'accord? Mais, donc c'est un petit effort. Pourquoi? Parce que on est non seulement oublié dans un petit coin. Ce petit coin ne doit pas être oublié. Voyez aujourd'hui l'importance de tout ceci. Ça symbolise beaucoup. Parce que j'ai eu un contact avec les lycées, que ce soit de Maïgalante, d'ailleurs. En 2010, qu'est-ce qui était au sujet d'examen? La Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc les élèves aimeraient bien avoir ou aller piocher d'autres renseignements. Où piocher ces renseignements? Eh bien, c'est les anciens. On a non seulement écrit, on a les preuves sur le terrain. Je n'ai peut-être pas, moi, fait la Seconde Guerre mondiale, la Première encore pire, mais j'en ai fait beaucoup. Je suis là aujourd'hui, merci. Mais je ne pouvais pas être là. Comme disaient les militaires, tant qu'on entendait boum, ça veut dire qu'on est pas mort. Si on n'entend pas, c'est qu'on est mort. C'était ça notre devise. Tant qu'on entend le bruit, c'est qu'on n'est pas mort. Donc on n'avait pas peur d'avancer. Donc on a peut-être croisé pire que ceux qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, mais nous aussi on a fait beaucoup de choses. D'accord? Donc, je remercie encore tout le monde, je remercie la municipalité, je remercie tout le personnel présent, ceux qui ne sont pas plus venus, parce qu'on a des camarades qui sont couchés, qui sont malades, très malades, qui ne pouvaient pas venir, donc on a une bonne pensée pour ces chers collègues, à M. Labuti, M. Ama, d'autres personnes qui n'ont pas pu venir, parce qu'il y a les veuves des anciens combattants aussi, le Capesteur de Saint-Louis. Elles n'ont pas pu se déplacer, mais nous avons également une pensée pour ces gens. Je vous remercie. C'est vrai que le CCAS côtoie Madame
ressenti réduit, effectivement. Pour explication, je dirais que à l'ancien hôpital étaient logées certaines associations, dont les anciens combattants. Mais effectivement, avec les intempéries, l'hôpital se dégrade. Et comme Madame le maire le dit si bien, donc elle est prête à collaborer et nous ferons tout le nécessaire. Je ne dis pas que ce sera en 2014, mais le nécessaire est fait, nous avons pris compte des difficultés des associations qui logeaient là. Et je pense qu'ensemble, nous ferons de notre mieux pour répondre à votre attente. Merci.